Citoyens et futurs citoyens, bonjour. Elminster au micro et aujourd'hui je vais vous parler une fois de plus de notre cher ami le shipyard ou le chantier naval. Aujourd'hui nous allons donc parler des weapon hard points, des points d'attache en fait des armes de vaisseau. Alors il s'agit là tout simplement des armes et de leurs points d'attache. Si vous avez eu l'occasion d'aller récemment ou sur un vaisseau ou dans votre hangar, vous avez votre vaisseau avec plein de petits points un peu partout disséminés sur sa carlingue. Et parmi celles-ci, il y a des points correspondant à des points d'attache, donc d'armes. Alors actuellement, il y a déjà des armes qui sont pré-installées, on va dire des armes installées par le fabricant. Et du coup, nous allons, avec l'arrivée bien évidemment de la 3.0, nous allons compléter en fait cette description d'armement qu'il y a au niveau du vaisseau. Surtout concernant la taille et le type d'arme. En fait, les gens ont une énorme confusion qui concerne en fait l'arme de notre cher armement. Puisqu'il s'agit de différents types et dans ces différents types, il faut, voilà, il y a plusieurs sous-catégories. En fait, il y en a deux. Et on va en expliquer en fait tout le fonctionnement. Alors, ce système de points d'attache, il faut savoir, ou le item port, comme ils disent, donc le item port ou les points d'attache sont vraiment spécifiques à un objet particulier. Par exemple, vous ne pouvez pas mettre à la place des tourelles un réservoir de carburant ou mettre des générateurs électriques à la place d'une arme ou mettre... voilà. En gros, vous êtes à chaque point d'attache obligé de mettre un objet similaire. Donc, arme pour arme. Alors, aujourd'hui, nous allons donc parler des armes. Alors, ils sont limités au niveau des tailles uniques, c'est-à-dire qu'elles vont des tailles 1 à 3 par exemple, ou 1 à 5. Je crois que le maximum c'est 1 à 6. La taille plus grande c'est 6. On peut, ils vont donc parler en fait, vous avez deux types d'armement qui peuvent être attachés à ces attaches. Ce sont les armes fixes, donc celles qui pointent devant le nez du vaisseau, ou derrière, mais généralement c'est devant. Et les armes, ce qu'ils appellent les armes grimbal, les armes en fait sur un support qui bouge. Alors, si vous jouez, à mon avis personnel, si vous jouez avec clavier souris ou joystick souris, je ne sais même pas si c'est valable, mais je crois que c'est possible. Les armes sur support mobile sont pour vous. C'est-à-dire que l'arme sur support mobile, c'est en fait, vous allez avec la souris, vous allez diriger l'arme tout en continuant à vous déplacer tout droit. C'est-à-dire que vous pouvez tirer sur la droite ou la gauche à un angle précis alors que vous avancez tout droit. Lorsque vous avez un joystick ou un hautasse, malheureusement, c'est plus du tout facile et c'est même plus gérable. Vous ne pouvez plus tirer, en tout cas j'ai pas trouvé la façon de tirer avec une arme sur support amovible. Donc du coup ces armes là sont pas faites pour vous, mais bon, vous avez bien évidemment possibilité de rajouter des restrictions qui feraient que en fait vous baisserez généralement la taille de l'arme, je vais y arriver, la taille de l'arme. C'est-à-dire que si vous la mettez sur un support qui bouge, vous la baissez. Si vous la mettez par exemple dans le nez du Vanguard, donc en placement précis, vous êtes limité dans la taille, etc. Donc voilà, en fait, les armes vont d'une taille fixe à, vous pouvez mettre en dessous en fonction de là où vous le mettez. Donc on va parler un petit peu des différents types d'armes. Vous avez le premier type d'arme, l'armement donc fixe qui se trouve donc sous l'aile. Voilà, regardez, on va le faire. D'ailleurs, on va le faire tirer. Boum, boum, boum.
Oh, j'avais même pas entendu, il y a le bruit en plus. Waouh, super. Bon, voilà, ça c'est votre arme fixe. Voilà, vous avez votre arme fixe qui est donc fixée sous les ailes, fixée devant. C'est correspond à bien évidemment la taille maximum de la taille possible. Elle a une visée qui se trouve que devant. Et bien évidemment, pour tirer, vous avez vraiment besoin d'une visée très très précise. Vous avez ensuite cette jolie arme qui est liée à un support amovible. On va baisser un petit peu le son parce que c'est vrai que c'était un peu fort. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà, vous pouvez tirer un petit peu vers le bas, vers le haut. Bon, après, vous êtes réduit au niveau du haut et du bas, mais vous pouvez tirer, voilà. Là, ils ont quand même essayé d'éviter que vous tirez sur la carlingue. Donc, tirer à droite, à gauche, c'est ce qu'ils appellent les armes Grimbal, les armes sur attache mobile. Alors, vous pouvez les mettre quasiment sur toutes les attaches. Par contre, vous allez devoir réduire la taille de l'armement de 1. Si votre armement a une taille maximale de 5, vous ne pourrez mettre sur support amovible que des tailles maximum de 4. Voilà. C'est en fait les deux possibilités de type d'armement. Après, il y a d'autres types qui peuvent avoir dans le nez, mais bon. Voilà. Les principales, ce sont donc les armes fixes. Taille maximum, celle qui est préconisée. Taille sur arme sur support mobile ou grimbal. C'est taille de 1 inférieure. Donc, une taille inférieure à la taille maximale. Alors, qu'en est-il des autres types d'armement? C'est-à-dire que ça concerne principalement les armes doubles, les armes triples, les armes quadruples, les armes de barrage ou autres qui pourraient avoir été créées. Mis à part les armes en fait doubles, tous les autres qui ont été plus ou moins décrites, voire supposées à être introduites, finalement n'ont pas été mises en place. C'est-à-dire que les armes montures triples, ce qu'on appelle les armes triples, les armes quadruples, les armes de barrage ne sont pas implémentées. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça crée des problèmes dont, d'une part au niveau de la taille qui peut être appliquée dessus. Ça voudrait dire, par exemple, que vous allez devoir réduire encore la taille de l'armement, mais vous en aurez 4 comme ça. Bon, ça interfère énormément de choses, et surtout, c'est très complexe au niveau de la logistique du programme. C'est pas évident à programmer tout cela, ça fait beaucoup de travail. Les armes doubles, par contre, elles, c'est particulier. Principalement, où c'est qu'on trouve les armes doubles? Tout simplement dans les tourelles. Les tourelles sont, voilà, les tourelles seront expliquées dans une autre vidéo ou dans un autre chapitre de notre shipyard. Donc les tourelles, voilà, ça reste dans les armes doubles. Maintenant, il va être question de, vous avez peut-être eu un vaisseau avec des armes doubles, etc. Et vous allez, ou triple ou quadruple, et d'un coup, vous allez, pouf, votre nombre d'armement qui a diminué. Surtout, ne vous inquiétez pas. C'est tout simplement, tout a été revu, recorrigé. Donc, si le nombre d'armement a peut-être baissé, la taille aura peut-être augmenté. Donc, quoi qu'il arrive, votre armement n'aura pas baissé. Vous n'aurez pas perdu au niveau de la puissance de feu. C'est juste que ça a été un petit peu modifié pour rentrer dans le nouveau système qu'ils ont créé. Il y a eu des armes, par exemple, comme ils disent au niveau principalement des armes Grimbal, des doubles, etc. Il fallait gérer, en fait, il faut gérer l'arc de visée de cette arme pour pas, comme je vous ai dit, pas se tirer dessus, pas tirer dans votre aile, pas tirer, etc. Donc, du coup,
ça a été trop compliqué. Du coup, ils ont vraiment réduit entre guillemets, au niveau de la simplicité de gestion, ils ont réduit au minimum pour que ça soit vraiment jouable et qu'il n'y ait pas trop de soucis. Alors, il faut savoir que ils ont été changés, les tourelles ont par exemple été changées. C'est le cas par exemple sur la tourelle du Mustang qui était donnée au début avec une tourelle avec deux points d'attache S1, donc de taille 1. Ça a été changé dans le nouveau Mustang qui est considéré maintenant avec une arme S2, donc de taille 2. Donc au lieu d'avoir deux armes taille 1, il a une arme taille 2. Voilà, c'est tout simplement la différence. Donc la puissance de feu, vous l'aurez toujours. Ensuite, alors comment va être expliqué ces systèmes d'armement? Ou si vous préférez, vous avez changé les choses maintenant. Ah, je suis perdu. Ben oui, maintenant on va donc expliquer tous les changements qui ont été faits. Surtout au niveau de la légende de votre vaisseau. Comme je rappelle, par exemple, voilà, vous allez vous rentrer dans un vaisseau, vous arrivez sur cette page automatiquement, la hardpoint, et vous avez ça. Ah, c'est bien, chouette. Avant, on avait un truc qui ressemblait à ça avec des armes ici. Bon, maintenant on a ça en détail. Waouh. Ok. Donc qu'est-ce que tout ça? Ben voilà, on va vous expliquer. En fait, avec la mise à jour donc des vaisseaux, ils ont essayé d'être un peu plus clairs au niveau des informations techniques des armements. Donc vous avez bien évidemment la légende. La légende avec la catégorie et les armes totales. Alors, à quoi ça correspond? C'est ça, voilà. Catégorie des larmes, donc c'est bien le 3. Nombre d'armes montées, c'est ici le petit 1, 2, etc. Total mounts. Généralement, quand il n'y en a qu'un, il ne le marque pas. Mais quand il y en a plusieurs, il le marque. 1, 2, 3, 4. Voilà. C'est le nombre de cet armement qu'il y aura monté, qui va être donc précisé. Donc, alors, nous allons bien évidemment un peu éclaircir tout cela. Donc, les armes, c'est vraiment, concernent uniquement cette partie ici. Cette partie-là. Du moins, non, même cette partie-là. Ça s'arrête là. Ça, c'est autre chose. Donc, ici. L'arme, weapon, les tourelles et les missiles. Cette section, bien évidemment, vous avez les armes. Donc, cette partie-là, weapon. Ce sont les points d'attache que nous avons évoqués dans cet article. Et vous y voyez toutes les panoplies d'armes, qu'elles soient balistiques ou énergétiques. Vous avez ensuite les tourelles. Elles seront mieux expliquées dans une autre vidéo, mais elles sont explicitement montrées ici. Et ensuite, vous aurez les missiles, ou les racks de missiles en fait. Ce n'est pas vraiment des missiles, ce sont les racks de missiles, qui ceux aussi seront présentés dans une autre vidéo. Et vous verrez que ben, c'est pas vraiment, c'est vraiment, on parle de rack de missiles. Et ensuite, les objets utilitaires, ben, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout simplement, généralement, les capacités de stockage. Donc le cargo. C'est généralement un module amovible que vous pouvez rajouter et qui s'appelle le store hall, par exemple. Voilà. Au niveau, maintenant, parlons un petit peu de notre armement. Si vous regardez ici, waouh, super, j'ai une arme ici, 3, 2, mais qu'est-ce que c'est que cette arme? Vous cliquez dessus, sur le chiffre ici, et vous voyez Weapon Modular, donc modulable, vous pouvez changer, et toutes les caractéristiques de l'arme que vous avez préinstallée. Donc ça, c'est Klaus Wenner, c'est les CF-222 Baguère Laser Repetitor, la taille 2 installée, 3 maximale. Et quantité, une par monture. Et vous avez deux montures à ce niveau-là. Donc vous avez deux armes taille 2. Au lieu d'avoir une arme taille 3. Voilà, c'est un peu expliqué. Ça, c'est donc le taille maximale. Et ça, c'est le nombre que. Donc c'est pour ça qu'il faut bien regarder. Vous en avez donc deux installées de taille 2. Et pas non deux installées de taille 3. Voilà un peu ce à quoi ça correspond. Ensuite,
Ah bah voilà, j'ai un peu trop baissé. Bah non, en fait, voilà, c'est tout ce qui correspond en fait à l'explication, donc comme donnée ici. Voilà, bah en fait, on a fait le tour des armes. Pas très compliqué, pas très long. Bon, maintenant, on va passer aux questions. Aux questions qui pourraient vous intéresser. Questions fréquemment posées. Est-ce que je peux mettre un rack de missiles à la place d'une arme? Ben non, non, non. Ces points d'attache pour une arme sont pour une arme. Les points d'attache pour missiles sont pour des missiles et vous les verrez plus tard dans la vidéo qui sera faite à ce propos-là. Pourquoi et le pourquoi du comment. Ensuite, deuxième question. Puis-je me permettre. Non. Est-ce que je ne peux mettre qu'une arme S2 sur un, en fait, sur un Grimbal S3? Plus précisément, lorsqu'on veut mettre une arme de quadrant, vous êtes obligé de réduire de 1. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez donc ce cadran mobile qui prend, on va dire, une petite taille de l'armement. Donc là où vous avez en fait une taille maximale de 2, vous pouvez mettre une taille fixe d'arme, taille 2, taille 1. Pas très logique, il vaut mieux mettre la plus grande. Ou alors mettre une arme sur Grimbal, donc sur attache movable, mais maximum de taille 1. Si vous n'aviez par exemple que la possibilité de mettre des armes de taille 1, vous ne pourriez pas mettre de taille d'armes. Grimbal, donc d'armes sur cadran, car ben, voilà, ça ferait une arme taille 0 et puis vous ne pouvez pas le faire. Voilà. Et enfin, pourquoi avez-vous supprimé la plage de taille sur un point d'attache? Bon, ils se sont rendus compte que à long terme, ça pourrait provoquer des incohérences au niveau de tout le système. Alors, ils vont donner un exemple. Par exemple, nous avons une plage d'armes. Ah ben voilà, c'est ce que je disais en fait. En fait, voilà, j'ai répondu à l'autre question. Aux deux questions en fait en même temps. C'est voilà quoi. Vous pouvez vraiment mettre des tailles maximales, celle qui est donnée de base, mais vous pouvez mettre une arme inférieure. Comme je l'ai dit. Voilà. Bon, en fait, j'ai répondu tout à l'heure à deux questions. Bon, ben voilà. C'est a priori les questions qu'on pourrait se poser à plus ou moins long terme. Donc, pour résumer, et pour bien que ça soit bien compréhensible, vous avez la taille maximum des armes. Si vous mettez une arme fixe, vous pouvez mettre la taille maximale. Ou si vous mettez une arme sur attache amovible, donc le Grimbal, c'est une taille de 1 inférieure. Voilà, en gros, ce qu'il faut retenir de tout ce système-là. Et vous ne pouvez pas mettre autre chose à ces attaches d'armes où vraiment chaque attache est vraiment spécifique à ça. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous aurez un peu mieux compris le système. Bon, en tout cas, moi, je l'ai compris. J'espère que vous aurez mieux compris le système du coup, des armes, des changements d'armes, des tailles d'armes, etc. Et ben, il nous reste encore pas mal de vidéos à faire, comme vous pouvez le voir. Et je vous dis en attendant à très bientôt. Bon vol à vous tous. Si vous avez aimé, bien évidemment, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Si vous n'êtes pas inscrit à la vidéo à ma chaîne, n'hésitez pas. Oui, vous serez les bienvenus. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre au mieux. Et je vous dis à très bientôt. Bon vol à vous tous. Merci de m'avoir suivi.